C'est toujours un plaisir de regarder du cinéma québécois et on le voit encore une fois avec Le Plongeur. Ce film, c'est un drame très fort sur l'addiction au jeu. Et dès l'introduction, on va fusionner émotionnellement avec le personnage tellement qu'elle est immersive afin de comprendre les problèmes qu'il a avec cette addiction au jeu. On vibre au fur et à mesure des différentes difficultés qu'il rencontre et on n'a qu'une seule envie, le secouer. D'ailleurs, l'acteur québécois Henri Richer-Picard, il est véritablement exceptionnel dans ce rôle. On vagabonde donc dans sa vie au fil de ses pensées grâce à une voix off et on va voir ses différentes reprises en main mais surtout ses rechutes. L'entourage est vraiment très actif, que ce soit son ex, sa famille, ses collègues, et ça donne comme une combativité à l'épreuve qu'il endure. Malgré tout, on a l'impression que par moments, le film se perd un peu, il veut jouer sur trop de tableaux à la fois, et donc logiquement perd le fil. Mais bon, ça reste vraiment minime par rapport à la qualité qu'il nous apporte en contrepartie.